C'est pour défendre la musique arabe, patrimoine culturel aujourd'hui en danger, que la Philharmonie de Paris organise l'exposition Al Musica, une exploration multisensorielle du monde vocal ou instrumental, des artistes pré-islamiques à l'électro des quartiers pauvres du Caire, en passant par l'incontournable Oum Kalsoum. La diva égyptienne morte en 1975 soulevait les foules sur toutes les plus grandes scènes. Surnommée l'astre de l'Orient, elle est considérée comme la plus grande chanteuse arabe. Son portrait par Alexia Gaillard. On l'a surnommée la mère du peuple, l'astre de l'Orient, El-Set, la dame en arabe. La diva égyptienne Oum Kalsoum reste encore aujourd'hui la plus grande voix du monde arabe. À sa mort en février 75, c'est tout un peuple qui est en deuil. Plus d'un million de personnes se bousculent derrière un cercueil, celui d'Oum Kalsoum, la grande chanteuse égyptienne qui vient de mourir. C'est l'une des grandes figures racontées dans l'exposition Al Musica à la Philharmonie de Paris. Derrière son chignon austère et ses lunettes noires se cache une artiste libre, une référence pour des générations de musiciens comme le trompettiste Ibrahim Malouf qui lui a consacré un album en 2015. Oum Kalsoum, il y a cette folie, cette liberté, cette force de caractère et ce tempérament qui a mis quasiment tout le monde arabe à ses pieds. Le chant, Oum Kalsoum le pratique dès l'âge de 6 ans avec son père. Elle était la fille d'un homme religieux qui chantait à des différentes cérémonies dans les villages. Elle accompagnait son père à ces cérémonies, habillée en garçon, puisque c'était mal vu à cette époque-là de chanter quand on était une femme, de chanter en public. Et elle s'est fait connaître à ce moment-là par la beauté, la puissance de sa voix. Le succès aidant, elle s'est petit à petit émancipée. Elle a créé son propre tart, son orchestre. Avec son timbre envoûtant et sensuel, elle chante l'amour, la religion. Et grâce notamment au cinéma égyptien, elle devient un phénomène populaire dans l'ensemble du monde arabe. Son secret, c'est tout de même une voix unique, inépuisable, lui permettant d'improviser plus de 50 variations sur un même thème. On a l'impression, quand on entend Oum Kalsoum, qu'il y a un truc qui va craquer, qu'il y a un truc qui va se fêler, qui va s'abîmer. Mais ça n'arrive jamais. Et surtout, sa technique est très impressionnante. C'est-à-dire que c'est à la fois fragile dans la manière de l'exprimer et à la fois d'une virtuosité que personne aujourd'hui n'est capable de reproduire. Très proche du pouvoir et particulièrement du président Nasser dans les années 50, Oum Kalsoum est aussi la voix du régime. Ces chansons sont toujours un peu à double sens. Elle chante toujours l'amour de l'être aimé, mais cet être aimé, on sent aussi que c'est l'Égypte. Donc elle était très patriote. Et puis elle a aussi épousé la cause palestinienne très vite et de façon très claire. À la fin des années 60, Oum Kalsoum accepte de se produire sur scène en Europe. Elle choisit Paris. Lorsque Bruno Cocatrix l'a accueilli à l'Olympia en 1967 pour préparer le concert, il lui a dit « Mais alors combien de chansons vous allez chanter ?» Elle a dit « Oh, écoutez, je ne sais pas, une ou deux. » Donc très surpris, s'était dit « Mais alors ça va être plié au bout de 6 minutes. » Et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'une chanson durait une heure et demie et que le concert a duré jusqu'à 3h du matin. C'était un des concerts les plus longs que Bruno Cocatrix a accueilli. Et le public n'avait pas du tout envie de partir. Elle installait vraiment quelque chose de l'ordre de la transe, de l'ordre de la communion mystique presque. Elle soulevait la salle qui se mettait à hurler. Et puis tout d'un coup, elle les domptait absolument. Ils étaient à quatre pattes par terre, implorant envers elle. C'était très extraordinaire. C'est certainement la puissance de ces improvisations qui inspire les musiciens encore aujourd'hui. C'est intéressant de voir la rencontre du jazz et de cette musique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs dans l'improvisation, dans ce talab aussi qu'on peut retrouver dans le jazz. Quand un interprète est particulièrement virtuose, le public réagit, il applaudit. C'est ça qu'on retrouve dans la musique arabe. Donc la musique d'Oum Kalsoum, est, à mon avis, va encore très longtemps imprimer sa marque au monde arabe et rester une référence encore pour les générations à venir.